On en a tout parlé tout à l'heure, on n'a parlé que d'éducation. Et donc l'éducation, ça revient à la femme. En premier, ça revient à la famille, mais c'est surtout le rôle de la femme en premier. C'est elle qui doit s'occuper de ses enfants. Moi, je prends exemple, j'ai toujours prôné l'éducation de mes enfants. D'ailleurs, avant, je travaillais, j'étais secrétaire. Mais quand j'ai eu mes trois enfants, j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir faire l'éducation de mes enfants. Jusqu'à au moins, j'ai le bac à première année. Après, je reviens à ma propre vie. Et quel modèle d'éducation aujourd'hui prenez-vous en tant que descendant de Al-Mami Matoufa? En fait, nous sommes de Saint-Louis. Il y a une bonne éducation pour l'éducation des enfants. Il y a plein de Zahara là-bas. Et donc, on prend souvent que l'éducation à la base, le départ, c'est mieux dans les Zahara. Avant d'aller dans les écoles, il faut commencer par les Zahara. Quand moi, par exemple, je prends l'exemple de Marie. Il a toujours été dans le Dara. Et pourtant, il a réussi. Donc, ça veut dire que l'éducation, c'est la base. C'est la base du pays, du peuple, du fonctionnement des gens. En tout cas, aujourd'hui, les enfants sont tous exposés à cause d'Internet, c'est-à-dire une univers qui est là et qui est vulnérable aux enfants. Pensez-vous que vous devez en tout cas restructurer ce monde-là? Bien sûr, il faut les accompagner. D'ailleurs, ce qui s'est passé dernièrement, il y a trois jours, c'était regrettable pour les universitaires. C'était malheureux. En plus, c'était dans ma ville. Mais c'est regrettable ce qui s'est passé, c'est malheureux. Ça devrait même plus se refaire. Parce que les étudiants, ils ont droit à leur bourse. Ils se sont battus. Ils laissent leurs parents dans leur village. Il faut partir dans les villes pour avoir une bonne éducation. Il faut accompagner les jeunes. C'est ce que je crois. Le message de l'ancien. Retour à l'islam, à notre religion. Moi, de toute façon, même qu'on parle bien français ou on parle mal français, le plus important, c'est d'être musulman, avant tout. Moi, par exemple, là, vous demandez à ma mère d'être en wolof. Vous me demandez en français, parce que j'ai eu la chance d'être éduquée en France. Mais ce qui est important pour moi, avant tout, c'est d'être musulmane. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'avec la religion musulmane, on a une bonne éducation. Merci madame. La présentation. Pardon? La présentation. Oui, madame Diallo. Merci. Merci.